Bonjour les Dokkaniens, bonjour les Dokkaniennes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 novembre 2023 et c'est aujourd'hui que sort le poulet des poulets, le Goku SSJ4 LR. Il sera accompagné d'une célébration assez intéressante en termes d'EDS. Effectivement, vous allez voir qu'on a pas mal d'events pour ce mois de novembre 2023. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir combien d'EDS on va pouvoir récupérer durant cette célébration. Ça fait plaisir. Il y en aura pas mal. Comme d'habitude, les amis, on va commencer la VOD. Le petit pouce bleu de soutien. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Pensez-y. Pensez aussi à activer les notifications. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour tout ce qui est streaming, multi-gaming. Vous avez ma chaîne Twitch, hein, vous avez le lien dans la description. Je reprends les streams sur YouTube. Mais voilà, si vous voulez davantage de streams, ça se passera plutôt sur Twitch. Les séances de stream sur YouTube seront assez courtes. Ouf. Au final, voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Et n'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc Discord, Twitter et TokTok. Vous avez tous les liens dans la description. Bon, que nous réserve cette célébration? Explosion de gratitude. Alors déjà, c'est une célébration qui va durer 27 jours. Ça commence le 3 novembre et ça se termine le 30 novembre. Donc, DB Heroes devrait faire partie de cette célébration. Je pense qu'on aura un deuxième bonus de connexion, voire des nouvelles missions. Parce que DB Heroes, on a déjà la date, il me semble que c'est le 22 novembre. Et donc, célébration qui n'est pas finie, les amis. Ce sera une célébration qui semble proposer, à première vue, hein, au moins deux parties. Vu que ça va englober DB Heroes. Pour l'émission de la première, enfin l'émission de la première partie, bah, même si c'est pas indiqué première partie, mais je pense que voilà, on aura d'autres missions. Pour cette première partie de célébration, on va voir après l'émission. Nous avons le retour de Polonga, ça fait toujours plaisir. Nous avons toujours le petit, les petits cadeaux à échanger chez Baba. On fera une analyse des poules dans une autre vidéo. Donc le portail de Goku et de Babi, voilà, qui est disponible depuis ce matin. Depuis 7h30. Bon, des promos. Tout ça, rien d'intéressant. Ah, un petit boss rush. 35DS. Aïe, aïe, aïe. 35DS offert comme ça, bim. Nouvel event, examen du garde du corps. Vous prenez pas la tête, c'est un event de nuque. Voilà. Comme la punch machine, donc il faudra juste nuque. Très simple. Nous avons un nouveau niveau pour l'événement défi, pour les soutiens, enfin pour les items mémoire de soutien. Le retour de pas mal d'events. Le retour de pas mal de zones Z suprêmes. La recharge de la CT plus rapide, l'XP quadruplé, des promos chez Baba, un chain battle, le 61ème, je sais pas si ce sera le nouveau avec le Végétable Evolution. Nous avons le ZTUR de Beerus Endurance. On l'avait testé sur la version japonaise, il est assez monstrueux offensivement. Et défensivement, bon, c'est quand même intéressant. Une histoire sans fin, un super battle road, pardon. L'émission du week-end, un chain battle, le retour des events qui va nous permettre d'XP, enfin de level up nos liens plus facilement. Et la mise à jour du mode histoire qui devrait nous proposer le Trunks Tech qui s'éveille en Trunks et Broly. Bon, première vue, il y aura des choses à faire. Il y aura beaucoup de choses à faire. Après un rapide décompte, les amis, nous avons à peu près 294 DS. Après, bon, là, je vais arrondir à 300. 300 DS, les amis. À récupérer pendant ce mois, et ce n'est pas tout, comme j'ai dit, hein, il y aura la partie DB Heroes qui va s'ajouter par-dessus cette célébration, donc une belle célébration. En termes de bonus de co, c'est une célébration quand même intéressante, hein. On a 2 DS par jour, où est-ce que je l'ai vu tout à l'heure, 2 DS par jour, et le premier jour, bim, 30 DS les amis. Bim, 30 DS, plus un ticket. Voilà, 2 DS par jour. Pendant tout le mois. Ça fait plaisir, les amis. Ça fait très très plaisir. Donc, on va déjà les récupérer. Hop là.
On a aussi un ticket, un grand merci, échangeable chez Baba. Donc déjà, 30 DS en plus. Ah oui, mais attendez, je ne les ai pas comptés dans le décompte. Ça nous fait 330 DS là. Je ne les ai pas comptés, j'avais compté juste le bonus de connexion, je n'avais pas compté les 30 DS du premier jour. 330 DS environ à récupérer. Je pense qu'on peut s'atteindre à 350, voire un peu plus, si on ajoute des Bay Rose. Cette célébration commence très bien, les amis. Ça commence très bien. Donc voilà. Alors, le ticket. Qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer avec le ticket? Bon, je pense qu'à première vue, le pool n'y a pas vraiment changé. Je vois pas de trop que de nouvelles choses par rapport à ce ticket. Après voilà, ça permet d'avoir des. Il y a quand même des très bons persos. Il y a des persos qui bloquent l'aspect. Il y a des nukeurs. Il y a des persos qui ont des ZTUR pas trop dégueu. Ouais, globalement, il y a quand même des très bons trucs. Virus, très bon changeur de ki. On va faire une analyse. Une analyse à part. Bon, le portail Dokkenfest, c'est le même que sur la version japonaise. Donc, on devrait avoir les anciens Tanabata, les Gamma, voilà, Pan, Vegeta et Goku CJ4. Donc voilà les amis, encore une fois, moi je vous invite à pas trop all-in. Après ça dépend, hein, mais all-in avec parcimonie, parce que on a la célébration des Bay Rose qui sera intégrée durant cette célébration. Ah oui, chose intéressante, nous avons des promos sur les trois premières multi. Ça c'est la globale les amis, hein, ça c'est la globale. Quand ça sera synchronisé, ça c'est finito les gars, ça sera finito. Hein. Donc profitons-en, parce que quand ça sera synchronisé avec la version japonaise, à moins qu'il se base sur la version globale, ça m'étonnerait, mais bon, ça peut arriver. Mais voilà, c'est les promos comme ça là, c'est finito les gars. Je crois que c'est 30, 35 et 40. 30, 35, 45, voilà. Ça nous fait 65, 70, 100, 110 DS au lieu de 150, si je dis pas de bêtises. La quatrième est gratuite. Et puis après, on passe à 50. Voilà. Franchement, en plus, on a des promos. Très, très bonne célébration. Très, très bonne célébration. En tout cas, on a des choses à faire. Ah oui, parce que il y a aussi le 8e niveau des dragons. Je sais pas. Alors peut-être qu'ils vont le garder pour Shinron, enfin lorsque Omega Shinron LR va sortir. Je sais pas s'ils vont sortir Omega Shinron LR pendant cette célébration, parce que ça ferait Goku Tanabata, enfin le portail de Goku Tanabata, le portail LR de Omega Shinron, c'est un portail carnaval, et DB Heroes, trois portails en un mois, enfin même pas un mois, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et puis n'oublions pas que nous avons aussi des tickets. Normalement, avec les tickets, vous allez pouvoir faire deux multi. Enfin, 2x5. Donc, à travers la mission, voilà, il y a des tickets à récupérer, les amis. Donc, bon, après, si vous êtes pressé, tout ça, on pourra pas récupérer toutes les tickets d'un coup, pas aussi rapidement. Donc, voilà, les amis, dites-moi ce que vous allez faire de vos DS. Là, est-ce que vous avez invoqué, est-ce que vous avez droppé du lourd? Dites-moi tout dans l'espace commentaire. Sur ce, à très très vite. Rendez-vous sur la chaîne Twitch pour le craquage en live. Vous avez le lien dans la description. Portez-vous bien. Sur ce, à très très bientôt. Ciao, ciao.